Eh bien, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 45 de FIFA 19 sur la chaîne LV188. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur ce jeu. Voilà, bienvenue, bienvenue. On va lire nos mails avant de commencer à faire quoi que ce soit d'autre. Rapidement, c'est une blessure d'un joueur. Ok. Date limite des transferts dépassée. Date limite des transferts expirée, d'accord. Et ici, blablabla. Ok. Ok. Bon. Donc, il nous reste une journée. Okay. Où est-ce qu'on en est là au niveau du classement? Oh, on est cinquième. Ouais, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Bon, c'est pas mal. On peut espérer mieux avec un petit effort, on pourrait arriver à se glisser dans les équipes qui montent. Bon, on est encore en tout début de championnat, donc il y a encore du temps. Alors, donc là, progression, bah, je crois que là on peut pas faire de séance. Je crois que tout est verrouillé. Parce qu'on s'est déjà entraîné dans tous les domaines. Non, par contre, il reste qu'une journée, donc. On va pouvoir faire une nouvelle séance. Session d'entraînement avant. France, défaite. L'équipe est battue par son adversaire de France sur le score de l'unité plus fort que notre tranchée. Ah oui, d'accord. Nouvelle-Zélande, Paraguay. D'accord. Bon, ça c'est la dernière fois des équipes nationales, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Donc on va avancer dans le calendrier. Et on va pouvoir faire notre session d'entraînement. Wow, il faut être actif parce que les jours passent très vite. Allez, donc on va faire notre petite session d'entraînement. Une petite reprise de volée, ouais, tiens, ça fait longtemps. Les coups francs. Faut qu'on continue à travailler les coups francs. Ça aussi, faut qu'on continue à travailler, notamment l'agilité. Défense, protéger la mini-cage. On va tenter de dessiner un défensif expert, tiens. Ici, je crois. Ah non, c'est bon, on peut faire. Passe longue. Voilà, on a toujours passe longue. On est toujours un petit peu. Pourtant, je travaille. Hein, je travaille. Presque à chaque fois, je le fais cet exercice-là pour augmenter passe longue, mais ça prend du temps. Pourtant, c'est un exercice difficile, donc ça devrait monter assez vite. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok, on va faire A. Là, on peut s'amuser. On peut essayer de s'amuser un peu. J'essaie de mettre en position pour qu'il fasse à retourner ou un truc comme ça, mais. Il veut pas. Bon, A, c'est bien. Allez, on continue. Coup franc direct, c'est parti. La cible. Est belle celle-là. Chance.
Ok, bon, c'est bien. Contre la montre. Ouais, mais si tu fonces dans le... Ah bah, mais là... Si je fonce dans le truc, ça va pas aller. Bon, là, pareil, je fonce dans le tapis. Ça passe quand même. Je vais rouler dessus au tapis sur le punching ball là. C'était marrant. Ah, il s'est né en défensif expert. Alors on va voir celui-là. Si on arrive à le résoudre. Devrait avoir un bonus quand il marque pas en fait. Oh! Je le rate à rien. Ouais, c'est pas évident parce que si je monte sur lui, il fait la passe. Et si je monte pas sur lui, il s'avance. Ouais, cette fois-ci, je vais l'avoir. Ah, l'enfoiré. On a pris des pourris que ça passe. Ah, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. 2 contre 3, je peux vous dire que c'est pas évident. Ah, mais pourquoi elle a pas sauté mon coéquipier? Pourtant j'ai appuyé. Ouais, vous voyez, D, c'est pas évident. Bon, si je fais B, je prends, hein, parce que c'est pas vraiment pas évident. Bien anticipé là. Bon, on aura fait au moins deux. Ah non, te jette pas, te jette pas. Mince, c'est dommage, j'aurais pu le coincer. Alors, on va faire mieux là. Mais je regarde. Ah, il me passe! Oui! Ok, bon, je pense qu'on va... Alors, dernier essai. Ah, mince. Ouais. B, on garde. On prend parce que c'est vraiment dur. Hein. On essaiera de faire mieux une prochaine fois. Et s'habituer à cet exercice. Trop tard en jeu. Oh. Oh, c'est pas vrai. J'ai vraiment pas de chance. Ouais, quand même. Bon, je fais. Ah, oh, c'est bien. Allez. Des A sauf scénario défensif expert, effectivement, c'est pas évident du tout. Ou je fais B. Ok, très bien. Allez, on continue. C'est parti. On va jouer un match contre Ajaccio. C'est ça. Domicile Ajaccio. À l'entre. Ouais, contre à domicile. C'est parti.
C'est exercice, exactement l'exercice qu'on vient de faire. On va le passer. Hein. Sans celui-là, compte pas pour l'entraînement. Alors, ça m'intéresse moins déjà. Alors, t'es parti pour ce match contre Ajaccio. Il faut qu'on arrive à faire un bon résultat pour se positionner. Signer une quatrième victoire, c'est vraiment bien. Je me crois en mode normal, du coup j'appuie sur la touche pour changer de joueur, mais je dis tiens c'est bizarre ça change pas. Mais forcément comme je suis en mode carrière, ça peut pas marcher. Allez, peut-être sur cette action. Hein. Ils ont l'air prenables. Allez. Alors on met la pression là. Faut arriver à la maintenir. Arriver à leur reprendre le ballon là. Oh là là, pas comme ça, pas comme ça. Ah voilà, comme ça, c'est ça que je veux voir. Soit je me positionne mal, soit mon coéquipier me fait mal la passe, je sais pas. Chaque fois, j'ai remarqué là, ça fait 2-3 fois. On essaie de me faire une passe, mais le ballon n'arrive pas. Il y a toujours un défenseur pour intercepter. Mais ça va peut-être de moi en fait. C'est peut-être moi qui prends pas bien l'espace. C'est possible. Allez! On arrive à la mi-temps.
Dommage, on pouvait faire une belle action sur ce coup-là, mais l'arbitre nous a pas laissé le temps de développer. Mi-temps, 0-0. Tout reste à faire. Oh, attention, bien joué gardien. Ah non. Dommage. Dommage, on aurait pu contre-attaquer là-dessus, mais on s'y est mal pris. C'est un peu ce que je trouve un peu difficile, c'est que je me sens souvent seul en fait devant, vu la stratégie adoptée. Et ça c'est un peu complexe. Je préférerais jouer dans un 4-3-3 ou un 4-4-2. Serait vraiment l'idéal. Oh non, c'est quoi cette frappe? Oh non, j'avais fait le plus dur. J'ai vendangé là. Ah mince, super le ballon. Attaque en droit. Ouais, il se décide à passer en mode j'attaque quoi. Il fait jouer ailier droit. Il passe en 4-3-3 là. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous voyez, on a commencé à être dangereux quand on est passé en 4-3-3, quoi. Donc, c'est pas la bonne stratégie. C'est trop défensif. Ouais, forcément, 0-0. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, on n'a pas perdu, c'est déjà ça. C'est déjà ça.
Mais ouais, on a commencé à jouer quand l'entraîneur a changé de stratégie, mais c'était la 75e déjà, donc... Que voulez-vous qu'on fasse? 15 minutes seulement pour jouer, c'est pas évident, quoi. Bon, bah voilà, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là donc pour cet épisode 45. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 46 de FIFA 19 en mode carrière. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, salut à la prochaine!